complètement impossible de se rendre compte du monde parce que tout le monde se met en place. Et que voilà, il y en a énormément devant nous, énormément derrière. Donc on verra si tout à l'heure on a une vision plus globale. Voilà. Bon là c'est le... Voilà, ah ça... Sous les 6, hein, c'est bon. On est là. Thank you.
associations, organisations, collectifs citoyens, en toute indépendance des partis politiques qui organisent cette marche. Et nous sommes présents parce que cette marche est importante. Elle est importante pour imposer un rapport de force au gouvernement et aux multinationales, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous sommes au milieu d'une grève historique des travailleurs des raffineries d'Exxon et de Total. Cette grève, leur grève, est la meilleure des réponses contre la vie chère, contre l'inflation qui est en train de réduire le revenu de millions et de millions de salariés, de chômeurs, de retraités, de femmes, de jeunes. Alors même que Total fait aujourd'hui des bénéfices de plus de 10 milliards d'euros et que son patron, le patron de Total, a bénéficié d'une hausse de 52% de son salaire. Total, c'est un criminel climatique. Total a beau verdir son image en changeant de nom, de logo, en se présentant comme un acteur des énergies renouvelables. Le fond reste le même. La majorité de ses investissements est encore dirigée vers les énergies fossiles et nous emmène droit vers un monde invivable. Et dans cette histoire, le gouvernement d'Emmanuel Macron... Thank you.
pays puissant et riche, rempli de 8 millions de pauvres, de 6 millions de chômeurs, de 9 millions de personnes qui ont faim, la France montre à cet instant, par votre présence, par vos visages, par votre détermination, qu'elle n'est pas résignée, qu'elle ne baisse pas les yeux, qu'elle n'est pas domestiquée. En France, la jeunesse des universités et celle des lycées a faim. Voilà ce que les chiffres vont dire. Voilà ce que vous accès des hyper-profits. En fait, la manifestation n'avance pas du tout. Donc, c'est nous qui la remontons en essayant de retrouver le Lot-et-Garonne. Donc, on les cherche. On va les retrouver sûrement. On cherche. Voilà, il y a beaucoup de monde, hein, donc c'est très compliqué de retrouver les gens. Donc on les cherche. Par sa religion, par son appartenance politique ou son indifférence. L'unité populaire est la solution à la crise ouverte. Alors maintenant, vous allez vivre une semaine, je le dis pour les plus jeunes, comme on n'en voit pas souvent. C'est la grande conjonction. C'est nous qui la commençons avec cette marche qui est un immense succès, comme vous pouvez le savoir. Cette marche qui a mobilisé le peuple, parce que le peuple, c'est les salariés, bien sûr. Mais c'est bon, aussi. On s'est un peu extrait de la manif parce qu'on avait du mal à respirer, en fait. Voilà. Donc, on se rend pas trop compte du monde. On sait pas, comme d'habitude. Ça ne bouge pas, en fait. Ici, ça n'a pas bougé. Nous, on est descendu en tête, hein, où il y avait des. Voilà. Pas des incidents, mais. On va dire des tensions en bas et on a remonté le cortège donc et là c'est bloqué ici. Donc comme on tient à retrouver quand même notre équipe de 47, donc on va essayer de les retrouver au milieu de ces gens, ça va être compliqué. Enfin, voilà, donc on va tenter des retrouvailles. On s'est totalement bloqué, on peut pas avancer, ça va être un peu compliqué. On peut même pas rentrer dans la manif en fait. On va y arriver, on va les retrouver. Thank you.
voit plus. Aujourd'hui, la rénovation thermique massive des 5 millions de passoires thermiques, des logements qui sont aujourd'hui indignes de notre pays. Ils veulent faire passer avec le 49.3 leur budget dans lequel, où sont les investissements massifs pour les lignes ferroviaires, pour les transports en commun. Non, Tarn et Garonne. Alors oui, il y a des solutions. Oui, c'est un jet privé qu'il faut faire passer aujourd'hui. Il faut imposer la sobriété. Il y a des solutions. Il y a des moyens. Les moyens, c'est l'exit tax que nous avons fait passer en amendement à l'Assemblée nationale. Je sais pas, il y a comme il y a des sandwichs, je sais pas, je vais peut-être prendre un sandwich, je vais essayer de faire.